En tout cas, je n'aime ça. Je ne pouvais pas venir ici sans apporter mon soutien. Je vous donne ça là, ça que je vais vous donner là, c'est sans rien penser. Que je vous donne ça, c'est avec tout mon bon cœur que je vous donne. Ça me dit, il faut donner ça à Madame la ministre, Madame Anne Ouattolo. Faut donner ça à mon maman, c'est mon contribution pour la construction de Côte d'Ivoire. Maman, c'est sans rien penser que je vais donner ça. J'ai qu'à donner ça de bon cœur même. Non, il faut donner. Il faut donner. C'est moi qui ai donné ça à mon maman. Sinon, regarde, mon maman, mon cœur est content, mais c'est mon bouche qui ne veut pas. Chaque fois que tu as dépensé là, il faut savoir que c'est mon transport. Et tu as donné comme ça. C'est vous qui se moquez de moi, c'est vous qui se moquez de moi, homme de paix des fois. Vous pensez que c'est des MK arrive que j'ai semé, c'est des MK où il pleut beaucoup, ça a poussé, tu vous vois voir. Si ça a poussé, la cagane n'a qu'à venir me dire. Moi, mais il dit ça, mais il doute un peu. Non, comment il t'a donné ça, il passe à rien. Regarde, mon maman, il n'est même pas changé. Voilà. Oh, c'est mon maman qui fait ça. En tout cas, maman, mais... Tu vas où? J'ai dit, tu vas où? Tu vas monter ici. Qu'est-ce que tu fais? Oh! Tu vas te mettre dans le problème de... Maman, merci beaucoup. Hein. Sinon, c'est sans rien penser que vous a donné ça. Si vous voulez encore, je peux vous donner encore. Je vais passer toute la soirée là, vous donner seulement. Et puis, vous ne pouvez plus. Mais donner à Tonton qui est en blanche là. D'accord, qu'on vous insiste. En tout cas, maman, merci beaucoup et merci beaucoup à toute la peuple de Goulepé. Toutes les peuples d'ici. Quand je suis arrivé, c'est à la baisse comme ça. J'ai regardé là-bas la chaîne libérée. C'est que vous êtes voisin. J'ai calabassé. J'ai cherché quoi là même. J'ai passé à quoi de les chauffer des barres là. Donc dans ça là, tu sais, moi avant de quitter au Burkina, venir ici là. Comme je ne connais pas bien les villes là. J'ai dit à mon tonton, il s'appelle Zerbo. Comme lui, il s'appelle Zerbo là, il dit Haya. Il va laisser toujours dans les Zerbes. À quoi de son nom, Zerbo. Il dit, il va laisser dans les Zerbes. Oh, il s'appelle Zerbo. Quand tu vas le trouver au champ, tu ne peux pas appeler pas à son parce que nous, on n'appelle pas quelqu'un à son nom. Quand tu arrives au champ, quand tu veux appeler ton oncle là, tu fais ça. Quand lui, il est là-bas, il fait ça. Tu n'as pas celle là, il y a un autre qui le prend là-bas. Ça prouve que vous là, vous n'êtes jamais parti en bouche. Vous ne connaissez même pas ça. Donc dans ça là, j'ai venu à Abidjan. Mon tonton dit, bon, ma fille, comme tu savais à Abidjan là, voilà 20 000 francs. Faut prendre ça, tu as boire l'eau en route. 20 000 francs. Quand je suis arrivé à la gare, j'ai payé l'eau 20 000. Lorsque j'ai appelé là, voilà ça, en tas là comme ça. Les voitures ont soulevé pour m'accompagner à la gare. Dès que j'arrive à la maison, maman, la femme de mon don, mon tante, elle a envoyé un servant, un niveau servant. Quand tu regardes la servante là, tu sens qu'on n'a pas encore utilisé ça. Quel est ce niveau? Il dit qu'elle a passé ta maman. Sur ça, elle a passé comme ça. Quand tu vois la reste là, elle a mis dans votre assiette, dans votre assiette sur le main. Il a comme. Quel est le niveau? Donc dans ça là, tous les enfants de la cour, les enfants mal indiqués, les enfants polis en polis là, ils ont commencé à faire polis. Si enfin les gens, il y en a qui veulent signer pour l'autre, mais dans les têtes, parce qu'ils ne peuvent pas faire ça vraiment, il y en a qui veulent signer lui, mais dans les têtes, tout ce qui se passe dans les têtes, moi, mon maman m'a bien dit que les choses que je ne fais pas, tout ce que je faisais, c'était l'homme étrange, mais dans mon tête, oh c'est nous, à partir de 22 heures, mon oncle dit, c'est pas vous qui payez les factures, donc, éteignez la lumière, à 22 heures, tout est droit, c'est nous. Tout ce que tu vas faire après 22 heures là, c'est dans le noir. Voilà, un jour, j'attends. 22 heures, c'est là que j'ai debout. Faut me faire mal. Je vais comme ça. Dans le noir là, comme ça. Je vais. Faut voir.
Tu vas jusqu'à... Dès que t'es arrivé. Non, je ne vois pas là où vous pensez que je vois. Je vais aller dans la cuisine. Je me suis retrouvé ici dans la cuisine. Donc quand j'ai rentré dans la cuisine, avant de rentrer dans la cuisine, j'ai ouvert la porte de la cuisine. Oh, la porte de la cuisine, c'est l'ancien porte qui est chez nous à la maison là-bas. Donc quand tu ouvres, ça fait... Tout le monde sait quel bruit de ça là, c'est bruit de porte de cuisine là. Quand j'ai rentré, je n'ai pas rentré là-bas pour lui un moment. Bruit d'assiette, j'ai fait dans la cuisine là. J'ai mélangé les assiettes là, tout le monde sait qu'il a fait ses assiettes. Comme c'est dans le noir, c'est à cause de ça, ça fait bruit là. Quand j'ai fini de faire bruit d'assiette là, j'ai laissé maintenant les assiettes. Je suis debout maintenant. Faut me voir maintenant. C'est maintenant que je vais faire mon objectif. C'est pourquoi il ne doit pas encore là. C'est maintenant que je vais là-bas maintenant. Pourquoi? Je vais maintenant faire la chambre de la servance. Faut voir, je recule comme ça, touche-moi. Je recule comme ça. Mais sinon, les médecins font mal. Elle a mis mon pied là, c'est dans son bouche. Tu me dois mal. Mais il n'a même pas fait, il n'a même pas vu que c'est mon pied qui est dans son bouche. Et il doit seulement. Il dit, oh, la chambre de la servante aussi, ça fait même bruit comme la porte de la cuisine. Oh, si je pousse, ça va faire même chose d'avoir. Si il y a des bruits, hein, les gens vont commencer à me soucouper, je suis comme on est. Ils vont commencer à comprendre. Donc qu'est-ce que je fais au moment? Ce n'est pas bien. Je me suis approché si la porte de la chambre de la servante. Au pire, je prends mon pied comme ça, je pousse comme ça, doucement, jusqu'à la porte m'a fait rentrer dans la chambre. Et quand c'est arrivé dans la chambre, je regarde dans le noir là comme ça, je vois une silhouette. Voilà, je vois une silhouette, la servante. Ça, c'est la servante. Maman, faut me voir. Je recule doucement comme ça. Quand j'ai arrivé vers elle, j'ai bloqué comme ça, maman. Vous connaissez cette position là? On appelle ça chandelle. On fait ça en classe de 6e. Après la roulette avant, la roulette arrière, tu te bloques comme ça et tu attends les points. C'est ce que j'ai fait. J'ai baissé avec les chandelles là comme ça et je touche les pieds de la servante pour voir. Maman, à fur et à mesure que je touche les pieds de la fille là, ça devient verrou. Matin, quel masque? Son pied est lisse. Quand ça va coucher, son pied devient velou. C'est tout seulement ça. Donc, j'ai pris gros cœur. J'ai abaissé encore. Je voulais lui faire un réveil romantique. Parce que les femmes adorent les réveils romantiques. Quand j'ai ouvert mon mec comme ça, j'ai attrapé son velou là. Et quand il est tiré comme ça, j'ai fait ouai. En piscine là, tu veux quoi ici? Tiens, c'est mon tonton qui est de la chambre de la servante. Mon tonton qui a dit la peine de faire la lumière. C'est lui qui est de la chambre là. Il me demande, tu veux quoi ici? Comme il n'a pas mangé bien là, toi je suis parti pour le de la cuisine d'avoir pour chercher à Mario. J'ai eu lui. Mais comme je ne sais pas où elle a laissé sauce là, après celle-ci venir la réveiller, il va me montrer où il a mis sauce là. Mais tonton, toi tu fais quoi ici? Moi aussi j'ai même problème comme toi. J'ai des mots que j'ai fait. J'ai promis la cuisine là, j'ai eu sauce. Mais comme je ne sais pas où elle a mis lui là, si venir la réveiller, il va me montrer où il est. Tonton, toi tu as sauce là-bas, moi j'ai ri. Alors on va manger. On est sorti, on n'a pas dit manger. On a mangé. Hein? Oh, il tient bien. Tu es puissant, hein? Oh, merci beaucoup. Et puis, quitte-nous, elle est pour venir donner 1000 francs. Donc, j'ai dit, aïe, tonton, aïe. Toi, tu as sorti, maman, il dit, alors on va manger. J'ai dit, on est parti manger de 22h jusqu'à 5h du matin. On mange seulement. Il n'y a pas quelqu'un qui va laisser son ami aller bouger avant nous. On est passé normal. On mange depuis. Quand mon tonton coupe lui, il est comme ça là. Il met la sorte là. Il prend vite là. Ah, wow. Moi, si quand il coupe, il veut la. Ah. On sait de quoi on parle. Normal. Dans ça là, voilà ma voisine. Maman, la femme de mon voisin. Ah. C'est lui qui habite à côté de toi, c'est pas ton voisin. Donc, elle là, quelle est le boulet? Non, tu ne peux pas, son boulet là. Elle vient me voir là, mais je fais ça. Voilà. Et puis il est impoli dans le quartier pour les gens, c'est mal de tout. Il est impoli, elle vient me voir, elle dit voilà. C'est toi et celle. Deux jours là, à cause de tes démons dans le quartier là, nous on ne peut même pas gagner travail ici. Tu dis, Harry, toi tu es venu te marier, mais tu es venu faire travail. Elle dit oui, à cause de tes démons, nous on ne gagne pas travail. Donc le vendredi, il y a payé dans notre église. Il faut venir, on va faire ton délivrance. C'est comme ça qu'il me parle d'elle. Il faut venir, on va faire ton délivrance. Donc les gens comme ça, quand ils te parlent, si tu ne fais pas ce qu'ils t'ont dit là, tu es dans le problème. Le vendredi arrive,
fait mes voix à la maison. Elle dit, tu n'es pas encore habillé. Tu sais quoi, tu sapes. Aujourd'hui, je ne vais pas saper. J'ai sapé tout le temps. On va à l'église. On arrive à l'église. Basse, ils ont mis en haut l'église là. Basse comme ça. Ils ont mis la photo du pasteur dessus. Et puis ils ont écrit en haut de la photo du pasteur là. Laissez vos démons dehors. Quand ils disent là, tu sais que. Ils sont au sérieux. On va s'amuser avec. Moi là, je ne sais pas quel démon, j'ai les yeux au dehors. Donc ici, arrêtez, il y a ça. Tous les gens viennent Iran. Elle est venue me voir. Elle dit, hey, toi là, tu es encore ici. Il faut la jouer, on va te la délivrer. La délivrance va commencer. Je dis, ah, rentre. Quand j'ai arrivé là-bas, j'étais en train de faire l'oucange. Et non pour Dieu. J'ai fait il est puissant. Jésus, il est puissant. Satan, il est vaincu. C'est pourquoi tu es venu là. Allez, mon maman, chante, alléluia! Alléluia! Il n'y a pas de chrétien ici, alléluia! Que quelqu'un me donne un bon amen, alléluia! Alléluia! Mais tous ceux et toutes celles qui sont là dans cette assemblée, qui n'ont pas permis de laisser les démons dehors, au nom du Seigneur Jésus-Christ, les démons vont vous libérer! Quand il a dit cela, tu n'entends rien encore, et tout ce que tu entends là, tu entends touche, touche, touche. C'est quel est ton ami qui est en train de battre comme ça, tu entends? Parce que tu ne sais pas avec quoi tu es rentré. Arrivé au moment, tu attends que tous ceux et toutes celles qui sont rentrés dans cette assemblée avec l'esprit de crédit, que les démons de crédit vous libèrent. Il a dit ça là. Il dit, une tantie. Tu vois la tantie là, tout ce qu'elle a apporté là, c'est chien en l'or. Et puis les démons là, quand ils veulent partir, ils ne calculent pas comment ils vont te laisser là. Ils ont soulevé la tantie là comme ça. Je dis à ça là, PAA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 A